Aujourd'hui, je vous montre un exercice pour détendre les muscles du cou, notamment dans un contexte de mal de tête. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé le code QR dans mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas le livre, vous allez pouvoir très bien faire l'automassage et je vais pouvoir apporter aussi des explications complémentaires à ce qui est proposé dans le livre. Alors, les muscles du cou, ce sont des muscles qui sont, premièrement, ils sont nombreux et aussi ce sont des muscles qui sont souvent en profondeur. Ce sont des petits muscles et parfois des, des moins petits muscles. Je vous les montre. Alors, vous voyez, les muscles s'attachent, pour certains d'entre eux, du moins à la base du crâne. Vous voyez qu'il y a des muscles très, très longs. Et si vous concentrez votre regard beaucoup plus près du crâne, vous voyez aussi qu'il y a des muscles dans différents plans de l'espace. Ça se passe tout ça en trois dimensions. Et il y a aussi des muscles qui Vont beaucoup plus bas, des muscles qui vont euh, par exemple s'attacher dans la région ou de se terminer, si vous préférez, dans la région des omoplates, dans la région interscapulaire. Il ne faut jamais oublier cet aspect des muscles du cou qui sont souvent étroitement liés. À l'homoplate, aux épaules et bien sûr au crâne et au vertèbres cervicales. Alors, dans un contexte de mal de tête, on doit détendre ces muscles-là. C'est parfois, les tensions, ce sont parfois une résultante du mal de tête, et parfois, comme dans les mots de tête cervicogène ou cervicogénique, si vous préférez, ben, c'est le cou qui va générer un mal de tête, mais d'une façon ou d'une autre, les douleurs au cou sont souvent, souvent liées. Au mot tête, au céphalée, si vous préférez. Et je voudrais vous montrer aussi, je vous disais que c'est en trois dimensions, je voulais vous montrer les vidéos. C'est une animation 3D, je vais la faire défiler en même temps que je vous parle. Alors, vous voyez la complexité des muscles du cou, et évidemment, vous avez deviné que tous les muscles ne sont pas sur cette animation. Et lorsqu'on fait tourner le, le modèle anatomique, on voit bien que c'est en trois dimensions, c'est dans différents plans de l'espace. Il y a des tout petits muscles. Regardez à la base du crâne, il y a des tout petits muscles qui sont sous l'occiput, il, il y a des muscles qui sont beaucoup plus longs. Et il y a des muscles qui sont encore plus longs que ce que vous voyez à l'écran. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a des muscles qui sont à la partie avant du cou, vous les voyez, qui s'attachent euh, près de la mâchoire notamment. Alors ces muscles-là aussi doivent être détendus. Mais aujourd'hui, je vous montre une technique d'automassage pour masser les muscles qui sont au niveau de la nuque, qui sont à l'arrière. On va utiliser, je vais vous montrer ce côté-là, on va utiliser une balle d'automassage. Vous pouvez estimer la, la, la grosseur de la balle. Je vous invite à choisir des balles qui sont adaptées à votre morphologie en termes de volume. Choisissez des balles rebondissantes. C'est beaucoup plus facile de faire l'automassage avec ces balles. C'est plus efficace. Les balles de tennis, ça va vraiment pas bien, particulièrement pour la région de la nuque. Et je vous invite aussi à faire l'automassage que je vous montre à l'instant avec deux grosseurs de balles, une plus petite et une plus volumineuse, comme je viens de vous montrer, parce qu'il y a différentes euh, grosseurs de. De muscles du cou, alors les plus petites balles vont pouvoir aller en vraiment en, en profondeur et ce sera beaucoup plus efficace. Je vous montre l'automassage. Vous avez pu voir les instructions dans mon livre, je vais vous les redonner. Donc, vous faites l'exercice, ou plutôt l'automassage en position assise. Vous placez la balle sur le côté de la nuque et on, vous faites évidemment l'automassage toujours des deux côtés, la paume de la main sur la balle, comme vous le voyez à l'écran. Et vous devez rouler la balle en longeant les muscles de la base du crâne, comme vous le voyez à l'instant même, jusqu'au bas de la nuque. Vous pouvez même aller un petit peu plus bas et vous faites la même chose de l'autre côté. Et j'insiste, vous faites l'automassage avec au moins deux grosseurs de balles, ça sera beaucoup plus efficace. L'erreur qu'on fait souvent lorsqu'on fait des automassages, c'est qu'on fait l'automassage beaucoup trop rapidement. Prenez votre temps, faites des rotations lorsque vous tournez la balle avec la paume de la main, faites des mouvements vraiment lents, très lents. Et variez aussi les pressions, la pression que vous allez appliquer sur la balle et soyez à l'écoute de la sensation que ça vous procure. L'objectif, c'est de détendre les muscles et il s'agit vraiment d'adapter la pression que vous allez faire sur la balle à votre propre niveau de sensibilité, à votre, à votre musculature, aux tensions ce jour-là de votre musculature. Et souvenez-vous, aucun exercice, aucun automassage, en fait, tout ce que je vous propose sur ma chaîne ne doit jamais augmenter la douleur. Donc, si vous faites l'automassage dans un contexte de maux de tête ou dans un contexte de douleur au cou, il est absolument essentiel de ne pas reproduire ou de ne pas augmenter la douleur. On veut une détente musculaire et idéalement, un soulagement. Alors, vous faites l'automassage pendant cinq minutes et vous gardez à l'esprit et en tête ces muscles que je vous ai montrés parce que la balle doit rouler sous les muscles. Alors, c'est bien important de garder ça en tête, c'est le cas de le dire, euh, pour pouvoir avoir un automassage qui est efficace. En terminant, moi, je vous conseille, et c'est vrai pour tout ce que je vous propose sur ma chaîne, de ne jamais vous limiter ou de, de restreindre votre, votre stratégie thérapeutique. Et c'est vrai aussi dans mon travail de physiothérapeute ici au Québec ou de kinésithérapeute de l'autre côté. On veut avoir plusieurs modalités. Donc, vous faites l'automassage. Je vous propose de mettre une chaleur humide 5 minutes, 10 minutes sur le cou avant et après, si la chaleur vous détend, si la chaleur vous fait du bien, et peut-être aussi d'ajouter à cela, après l'automassage, un exercice de respiration abdominale. Vous allez en trouver sur ma chaîne. La respiration, ça aide beaucoup, beaucoup à détendre les muscles du cou, les muscles euh, qui, qui ont été soulagés, espérons, ou détendus par l'automassage. Ce sont aussi des muscles accessoires de la respiration qu'on souhaite utiliser le moins possible. Ces muscles-là ne sont pas faits vraiment pour respirer, ils sont faits pour aider le corps lorsque la respiration devient plus difficile, lorsqu'on est plus stressé, lorsqu'on est plus tendu. Donc, de stimuler la respiration abdominale, de stimuler le muscle principal de la respiration, c'est-à-dire le diaphragme, ça peut vous aider aussi à soulager ces muscles-là, à détendre une douleur au cou, à apaiser aussi certains maux de tête. Alors, je vous montre l'exercice une dernière fois. Donc, vous roulez la balle. Comme vous le voyez, c'est bien important d'aller jusqu'à la base du crâne et de descendre jusqu'aux omoplates. Et vous faites évidemment l'automassage des deux côtés. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, j'espère. <music>